Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un épisode pour te parler de tes forces et de tes faiblesses et surtout comment tu vas faire pour les découvrir. C'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'on a parfois, et même assez souvent, l'impression de connaître nos forces et finalement, on se trompe pas mal sur là où on est fort et là où on est faible. Donc c'est intéressant de faire un point sur ça. Et c'est aussi intéressant parce que je t'inviterai à lire le bouquin qui s'appelle Strength Finder. Et c'est un bouquin qui t'explique que si on se concentre sur nos forces, on va être beaucoup, beaucoup plus efficace. Parce qu'on est bon naturellement dans ce qu'on fait. Et tu vas être beaucoup plus efficace, tu vas avancer beaucoup plus vite et tu vas pouvoir être beaucoup plus fort que tout le monde. Parce que quelqu'un qui n'est pas fort dans un domaine, même s'il travaille énormément, il n'arrivera jamais à être aussi fort que celui qui est déjà de base fait pour ce truc-là et qui va travailler dessus. Tu le vois avec le sport. Il y a des personnes qui peuvent s'entraîner autant qu'elles veulent, elles ne battront jamais ceux qui sont déjà naturellement bons au foot, ceux qui sont déjà naturellement bons en athlétisme, etc. Il y a des morphologies qui sont faites pour faire ces trucs-là, et des morphologies qui sont faites pour le 100 mètres. Un coureur de 100 mètres, ce ne sera pas un coureur de fond, c'est pas les mêmes morphologies. Et t'as beau t'entraîner autant que tu veux, tu pourras pas battre quelqu'un qui a la bonne morphologie pour faire du 100 mètres si toi t'as pas la morphologie pour. Donc c'est la même idée, mais que tu vas ramener sur ton business. Et l'idée donc c'est de découvrir tes forces pour te concentrer à fond dessus, et sur tes faiblesses, de connaître tes faiblesses pour que tu saches que c'est pas forcément à toi d'aller faire ça, et peut-être le déléguer ou peut-être le laisser de côté parce que c'est pas utile dans ton entreprise. Alors comment tu vas pouvoir détecter tes forces et tes faiblesses? En fait, il y a un test que tu peux faire sur le site gallup.com, donc c'est G-A-2-L-U-P, et en fait ça s'appelle le test de Clifton Strength. Et alors tu peux le faire en français, hein, et je t'invite vraiment à le faire en français parce que il faut bien répondre aux questions. Et c'est un test en fait où tu peux pas vraiment identifier à l'avance la bonne réponse à donner, tu vois. C'est pas un test comme tu vas voir dans les magazines psycho, etc., tu vois, où tu sais très bien où tu vas et puis voilà. C'est un test qui est vraiment précis, vraiment pointu, qui a une très bonne réputation et qui est reconnu. Alors je crois qu'il coûte 25 ou 30 dollars, quelque chose comme ça. Et en fait tu fais ce test et il va te sortir là où tu es fort, là où tu es pas fort, par rapport à 35 forces. Il va te dire lesquelles sont les meilleures dans ces 35 forces, lesquelles sont les moins bonnes, et la combinaison de tout ça. Donc en fait, personne ne se ressemble à la fin du test. T'as tellement de combinaisons possibles que tu n'auras jamais le même rapport de résultat que quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment très intéressant parce que derrière, tu vas pouvoir creuser. Ce que je vais faire, c'est que je vais te partager quelques-unes de mes forces, quelques-unes de mes faiblesses, que je viens après ce que m'a sorti le test. Et je vais t'expliquer en quoi c'est intéressant pour moi de le savoir. L'une de mes forces la plus importante, c'est studieux. Donc ils appellent ça comme ça dans le test. Studieux, c'est quoi? C'est une personne qui adore apprendre. J'adore apprendre en permanence. Le processus d'apprentissage, j'adore ça. Et pourquoi c'est intéressant de le connaître? Il faut savoir que sur chacune des forces que tu vas découvrir, il y a toujours une part chouette, une part cool et une part qui va être un peu galère. Et dans le cas, par exemple, de studieux, j'adore apprendre des choses. Donc, je suis quelqu'un de curieux, je vais vraiment tout le temps essayer d'apprendre des choses. Mais mon défaut avec cette force-là aussi, c'est que c'est juste le processus d'apprentissage qui me plaît. C'est-à-dire que je ne veux pas forcément en faire quelque chose. Je suis capable de te regarder un documentaire sur n'importe quel animal complètement obscur parce que j'apprends des choses et je ne vais jamais rien en faire. Et du coup, il faut que je fasse attention à ça. Il faut que je fasse attention au fait que parfois, je peux passer beaucoup de temps à apprendre des choses que je ne vais jamais réutiliser. Donc à moi de diriger cette envie d'apprendre sur des choses qui me seront utiles, notamment dans mon entreprise. Une autre force que j'ai, c'est réalisateur. Réalisateur, c'est des personnes qui ont une énergie forte pour
avancer sur leur projet, pour vraiment travailler beaucoup, etc. Donc je suis quelqu'un qui va adorer être occupé et essayer d'être productif. Ça se concrétise de mon côté. Typiquement, il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti une formation sur le sujet, parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup bossé. J'adore être capable de faire plein de choses, mais de faire aussi les bonnes choses et d'avancer dans mes projets. Et je suis quelqu'un qui est capable de travailler sur des longues périodes. Même si, depuis un certain temps, j'ai eu des problèmes de santé qui font que je peux plus travailler autant que je veux, mais mentalement, je pourrais en fait travailler plus que ça. Je suis aussi analyste. Analyste, c'est quoi? C'est que tu vas prendre plein de données un petit peu disparates, etc. Je vais être capable de te les prendre, de te les réunir et de te faire un schéma, de te faire comprendre de façon plus simple d'où vient le problème peut-être, ou comment tu peux utiliser toutes ces données pour en faire une méthode, pour avancer vers ce que tu veux réaliser. Là où certaines personnes ne verraient pas de lien forcément entre chacun de ces points-là, parce qu'ils n'ont pas cette faculté d'analyse que j'ai. Comment j'utilise ça? Typiquement, quand je fais une formation. Quand je fais une formation, je fais ça sur une mind map. La mind map, ça me permet vraiment d'utiliser cette capacité d'analyse et de mettre ensemble les éléments qui doivent aller ensemble, de séparer ceux qui doivent être séparés et de te faire quelque chose qui va être plus simple à comprendre pour toi si tu n'as pas cette capacité d'analyse que moi je vais avoir. Encore une fois, hein, c'est pas... moi, je vais peut-être être analyste et toi, tu vas peut-être pas l'être, mais à côté de ça, tu vas avoir une autre force qui est super intéressante aussi. C'est simplement là où je suis bon et j'essaye d'être plus fort là-dedans, de continuer à être de plus en plus fort là-dedans, parce que c'est ça qui va me faire vraiment sortir du lot. Une autre force que j'ai, qui est aussi très importante, c'est la responsabilité. Je suis quelqu'un qui est extrêmement responsable de tout ce qui se passe dans mon entreprise et dans tout ce que je fais. C'est intéressant parce que, d'une part, les gens peuvent, quand je m'engage auprès des gens, les gens peuvent compter sur moi. Mais c'est aussi un vrai défaut dans mon cas, c'est qu'il faut vraiment que je fasse très attention à ce sur quoi je m'engage. Parce que si je m'engage sur quelque chose et qu'au bout d'un moment, j'ai plus envie de le faire, ça me fatigue, ça me saoule, etc., je vais aller jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, quitte à me sacrifier pour le faire. Et c'est déjà arrivé dans mon entreprise que je sois vraiment en mode sacrifice et à aller vraiment loin pour justement parce que je suis responsable de ce que j'ai dit et tenir mes engagements. Alors oui, pour plein de gens, c'est une force, et c'est une force en effet d'être responsable, mais il y a plein de fois aussi où si tu vas vraiment jusqu'au sacrifice, c'est un problème. Donc il faut être capable de faire attention à ça, et du coup maintenant je fais très très attention sur ce sur quoi je m'engage, parce qu'une fois que je suis engagé dessus, je sais que de toute façon je me libérerai jamais de cet engagement jusqu'à ce que j'ai accompli ce que j'avais prévu. Donc à moi de faire très attention. Donc tu vois, il y a toujours deux côtés à la pièce en fait. Toujours le côté, c'est super intéressant, vas-y, fonce, mais fais attention aussi à cette force, elle a des travers aussi. Et par exemple, dans mes faiblesses, donc c'est d'après le rapport que StrangeFinder te sort, en fait, tes forces sont classées, et du coup, dans mes faiblesses, donc c'est-à-dire les forces qui sont les plus basses dans le rapport, moi, je vais avoir adaptabilité, par exemple, et activateur. Adaptabilité, c'est quoi? C'est le fait que quand des nouvelles choses arrivent en plein milieu, etc., je ne suis pas forcément la meilleure personne pour m'adapter. Moi, j'aime bien quand j'ai planifié les choses et que ça suit son cours et que c'est OK. Du coup, j'ai bien planifié tout ça. Comment je fais pour essayer de contrer ce problème d'adaptabilité? Eh bien, en fait, j'essaie justement qu'il n'y ait pas d'éléments qui viennent me perturber dans ce que j'ai fait, en fait. Alors, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des choses qui viennent gêner un petit peu tout ce que tu fais, tout ce que tu as projeté, mais j'essaie en fait de justement d'éviter au maximum qu'il y ait des choses qui viennent perturber ce que j'avais prévu, et pour ça en fait finalement je planifie vraiment bien mon travail, et notamment c'est l'un des sujets de la formation que j'ai sortie récemment sur la productivité. C'est avec la planification, une bonne planification, tu peux faire en sorte que tu aies de moins en moins de choses qui viennent perturber ce que tu as prévu, parce que tu es plutôt bien carré, etc., et que tu as des temps spécifiques pour justement gérer tout ça. Par exemple, comment je gère un problème qui vient de rentrer? Eh bien, comme je sais que je suis pas forcément la meilleure personne pour m'adapter comme ça du tac au tac sur un truc qui vient de rentrer, un problème qui vient de rentrer dans mon travail et dans ma semaine, ce que je fais, c'est que je le gère pas forcément tout de suite.
le laisse un petit peu de côté et je vais m'organiser pour le gérer dans les jours qui viennent. Mais je vais pas le gérer tout de suite du tac au tac parce que c'est quelque chose qui va me déranger, qui va pas être là où je suis fort. Une autre force que je n'ai pas, donc une faiblesse, c'est activateur. Activateur, c'est quoi? C'est très lié à ce que j'ai dit avant. C'est que je suis pas quelqu'un qui démarre forcément ultra vite dans les projets. Alors c'est quelque chose que j'ai compris, qu'il faut passer à l'action assez rapidement, donc je me force quand même à le faire, mais je suis pas encore super bon là-dessus. Et ce que j'essaie de faire, et en fait je serai jamais vraiment très bon là-dessus, je serai jamais quelqu'un qui va partir à fond, bille en tête et sans se poser de questions, je vais toujours me poser des questions. Donc ce que j'essaie de faire justement pour éviter de passer trop de temps à planifier les trucs et à jamais finalement passer à l'action, parce que moi la planification c'est ce que je vais préférer faire, c'est très lié avec le fait d'apprendre les choses, parce que quand tu veux planifier c'est bien de récupérer des données, donc d'apprendre, et le fait d'être analyste, et ben en fait planifier c'est analyser aussi hein, les différents éléments, les mettre ensemble et puis de faire un plan d'action, donc c'est exactement là où je suis bon, donc j'adore planifier, mais ça m'empêche aussi de passer vite à l'action. Donc ce que je fais, c'est que je me donne des temps de planification et je ne dépasse pas ces temps de planification. Une fois que j'ai planifié, je passe à l'action. Donc en fait, je me donne des règles pour avancer. J'ai des périodes où je planifie et des périodes où je passe à l'action. Et j'ai pas ma règle, c'est que j'ai pas le droit de refaire de la planification quand je suis dans une période de passage à l'action. Donc c'est comme ça que j'essaye de contrer mes problèmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu fais des recrutements, quand tu mets des personnes dans ton équipe, eh bien tu peux aussi essayer de prendre des personnes qui ont des profils inversés au tien. Typiquement, si j'avais une personne qui pouvait faire toutes les actions que moi je veux faire, eh bien je prendrais une personne qui a la force activateur très forte, qui serait dans ses premières forces. Pourquoi? Parce que moi je pourrais planifier, lui donner le plan d'action, et derrière, cette personne se poserait aucune question et partirait direct à fond, en fait. Parce que son truc, c'est le passage à l'action et de démarrer très vite. Donc, ça te permet, en fait, ces forces-là aussi, ça te permet d'équilibrer ton équipe en termes de force et de prendre des personnes qui ont des profils opposés au tien pour, justement, avoir quelque chose qui est très solide au final. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Je te mettrai le lien dans les notes du podcast pour aller faire le test si ça t'intéresse. Comme je te disais, ça coûte 25$, c'est vraiment très intéressant. Et bien, écoute, je t'invite à le faire. Et si jamais ce podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles. Moi, je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao.